Bienvenue à l'école numérique Machindano. Nous avons maintenant la leçon de lecture. La fois passée à lecture, on a étudié le texte La mort du poème. Maintenant, aujourd'hui, nous avons le texte Un bon écolier. Un bon écolier, livre de pratique 6e, page 12. Alors, avant de répondre aux questions, nous allons lire le texte en silence. Le bon écolier. C'est à la page 54. Après la lecture silencieuse, on peut maintenant répondre à quelques questions. Le bon écolier dont on parle dans ce texte, c'est qui? Le bon écolier, c'est Dieï. C'est Dieï dont on parle dans ce texte, un bon écolier qui est en sixième. Alors, pourquoi on dit que c'est un bon écolier? Dans le texte, quelles sont les qualités de Dieï? Dieï arrive toujours à l'école à temps, 15 minutes avant. Donc, la première qualité là-bas, c'est la ponctualité. Donc, il n'est jamais en retard. La deuxième qualité, il a le courage. La troisième qualité, il a la propreté. L'autre qualité, son écriture est élégante. Une écriture, elle est élégante. Alors, nous devons prendre Dieï comme modèle, être aussi ponctuel, être aussi courageux, être propre et avoir une écriture élégante. Maintenant, nous allons chercher quelques mots à expliquer. Par exemple, quand on dit un modèle, c'est un exemple. Une empreinte, c'est une trace. S'étonner, ça signifie être surpris. Une aspiration, c'est un désir ou bien un souhait. Chacun doit avoir l'aspiration ou bien le désir, le souhait d'être comme Dieï, comme c'est un élève modèle. Alors, vous allez lire le texte à haute voix, en prononçant très bien les mots. Par exemple, les mots empreinte. Les mots empreinte, là-bas, nous avons E. Qu'on analyse là-bas. Nous avons, par exemple, les mots le maître présente. Là-bas, il y a A. On écrit EN, mais on prononce A. Nous avons là-bas tous les matins. Tous les matins. Nous avons là-bas IN qu'on prononce E. Qu'on analyse aussi là-bas. Alors, il faut chaque fois bien prononcer les mots, lire convenablement les mots. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton « Exprimer ».